Another time. His level was green and good until the crystal cracked. Rôle de consommateur pour s'affirmer enfin consommateur. Elle faisait un peu de gnose le soir venu, lorsqu'après le travail elle se mettait toute nue et qu'ayant commandé des chouchis sur le net, elle les grignotait assise sur la moquette. Ou bien elle regardait un film sur Canal+, ou bien elle repensait à ses anciens amants. Et ou bien elle s'asseyait droit devant son écran et envoyait des mails à des tas d'inconnus. Elle disait « Je t'embrasse ». Elle disait « Je t'enlace ». Elle faisait grand usage de la touche arrobase. Elle se trouvait alors aux frontières de l'extase. Dans le métro, souvent, elle lisait Coelho, ou bien encore Pénac, et puis Christine Angot. Elle les trouvait violents, étranges, dérangeants, brutalement provocants, simplement émouvants. Elle aimait que les livres soient de la dynamite. Lire est une base normale maintenant. Les gens, parce que je le fais de plus en plus neutre, tu vois. Elle aimait que les livres soient de la dynamite. Comme toutes les radasses, toutes les pétasses, toutes les grognasses et toutes les bécasses. Elle adorait bien sûr Marguerite Duras. De cette vieille carcasse, elle n'était jamais lasse. Le jour de la fierté du patrimoine français. Quand on ouvre les portes des antiquaires, elle se chargeait d'abord de bien vérifier qu'il ne manquait nulle part d'accès handicapé, qu'il ne manquait nulle part d'entrée spéciale grossesse, qu'il ne manquait nulle part d'entrée spéciale tendresse, qu'on avait bien prévu des zones anti-détresse, qu'il y avait partout des hôtesses gentillesses. Faute de se faire percer plus souvent la forêt, elle s'était fait percer les bouts de ses deux seins par un très beau perceur, sans nom de Canadien, qui des règles d'hygiène avait un grand respect, avec plus aucun risque d'avoir l'hépatite B. Il ne voulait pas laisser son corps en friche, comme on trouve souvent dans les gens qui s'en fichent. Elle pensait que nos corps doivent être désherbés. Elle croyait à la vie des implantables, des phéromones synthétiques pour de nouveaux organes. Elle appelait tout ce qui aujourd'hui claironne, le lendemain qui greffe et qui nous suscionne. Il avait parlé d'un week-end découvert sur l'emplacement même de l'antique Atlantique. On avait évoqué une semaine à Bizerte, un pique-nique à Beyrouth ou encore en Floride. On l'avait alléché avec d'autres projets, une saison en enfer, un été meurtrier, un voyage en Hollande au bout de la nuit. Un séjour de 3 heures en pleine Amazonie, 5 semaines en ballon ou sur un bateau ivre, à jouir de voir partout tant de lumières exquises, ou encore 15 jours seuls sur la banquise avec des ours blancs pour apprendre à survivre, une randonnée pédestre dans l'ancienne Arcadie, un réveillon surprise en pleine France moisie, une soirée rap dans le Bélugistan profond, le Mexique en traîneau, un week-end à Macon, elle est morte un matin sur l'île de Tralala, des mains d'un islamiste anciennement franciscain, qui l'a prétendu insurgé et supposé lutin, qui la viola 2 fois, puis la décapita. C'était une touriste qui se voulait rebelle. Il était terroriste et se rêvait touriste.
tous les deux étaient des altermondialistes. Leur différence même n'était que virtuelle.